ce matin. Je vais inviter le pasteur pour la prière et nous allons commencer ensemble. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre et pour commencer l'Église, sur les 120 personnes réunies, le Saint-Esprit s'est imposé sur chacun et la joie était totale qui a confondu les foules de pèlerins venus à Jérusalem. Les 3000 âmes vont se joindre à l'église après la prédication de Pierre. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin pour ce qui va se passer à nouveau dans ces lieux. Merci de nous bénir. Merci de bénir tout un chacun. Tu as décidé de quitter sa maison pour venir. Merci pour les curieux aussi, Seigneur, qui vont être là. Père, que la gloire vienne à toi. Dans toute notre adoration, Seigneur, au moment des chants, au moment de t'offrir, au moment des témoignages, au moment de la prédication, Seigneur, que tout soit pour ta seule gloire. C'est pourquoi nous nous opposons à tout esprit de distraction au nom de Jésus. Nous nous levons contre tout esprit de force, puissance, au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons ta Seigneurie. Conduis toutes les choses pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah.
you want. Jesus, 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 Jes
Jésus. 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 Accessible à tout le monde. Alléluia. Alléluia. You can be filled with the Holy
n'est pas ma force, not by power, ce n'est pas ma puissance, not by education, ce n'est pas par l'éducation, not by titles, ce n'est pas par les titres, but by my spirit, mais par l'esprit de Dieu, dit le Seigneur. Alléluia. Today you can be filled up. Aujourd'hui, vous pouvez être rempli. Alléluia. Alléluia. When God fills you up, lorsque Dieu vous remplit, when he fills you up good, lorsqu'il vous remplit bien, you will feel like you're drunk. Vous allez vous sentir comme si vous êtes ivre. Because not in this church. Et bien sûr pas dans cette église. Yes, it happens. Alléluia. Oui, ça se passe. Alléluia. And you are filled. Et vous êtes rempli. You can see in the spirit. Vous pouvez voir dans l'esprit. You can hear in the spirit. Vous pouvez entendre dans l'esprit. You feel like staying there. Et vous voulez juste rester là. You can experience the same experience today. Vous pouvez expérimenter cette même expérience. Alléluia. Alléluia. God gives the spirit without measure. Dieu donne l'esprit sans mesure. You determine the measurement. C'est vous qui déterminez la mesure. Alléluia. Alléluia. When you go to the sea, lorsque vous allez à la mer, and you bring a teaspoon, et vous apportez une petite cuillère à café, you scoop a teaspoon of sea water, et vous prenez votre cuillère à café, vous la mettez dans la mer, the teaspoon will fill up. La petite cuillère va être remplie. But the sea will not empty. Mais la mer ne sera pas vide. Amen. Amen. But some of you were progressive. Alors certains d'entre vous sont progressifs. You take along a cup. Vous prenez beaucoup de tasses. Et vous remplissez votre tasse avec l'eau de la mer. The cup is full. La tasse est remplie. But the sea is not empty. Mais la mer n'est pas vide. Alléluia. Alléluia. Some of you were very, very strong in faith. Et certains sont très, très forts dans la foi. You start pumping that water into your swimming pool. Et vous commencez à pomper l'eau dans votre piscine. It is full. C'est rempli. It's running over. Et ça déborde même. But the sea is still not empty. Mais la mer n'est toujours pas vide. It's the same with the Holy Spirit. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. You can pump as much as you want. Vous pouvez pomper autant que vous voulez. And then the sea will never be empty. Mais la mer ne sera jamais vide. Alléluia. Alléluia. I am not in the scooping business. Et moi, je suis pas en train de faire un scoop. I am not in the pumping business. Je suis pas en train de prendre la petite cuillère ou de pomper. I'm in the swimming business. Moi, je veux nager. Alléluia. Amen. I want to enjoy the whole sea. Je veux profiter de toute la mer. And today you can enjoy the sea of the Holy Spirit. Et aujourd'hui, vous pouvez profiter de la mer du Saint-Esprit. You can be filled. Vous pouvez être rempli. Refilled. Re-rempli. And overflow. Et débordé. Paul wrote to the church in Ephesus. Paul écrit à l'église d'Éphèse. And these people were spirit filled already. Et ce peuple, cette église était déjà remplie du Saint-Esprit. And he tells them. Et il leur a dit. Do not get drunk on wine. Ne vous enivrez pas de vin. But instead. Mais au contraire. Be continuously filled with the Holy Spirit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. That means there's a fill and a refill and a refill and a refill. Ça signifie qu'on peut être rempli mais rempli à nouveau, à nouveau et à nouveau. Alléluia. You can be filled today. Vous pouvez être rempli aujourd'hui. Amen. Amen. Many of us want to be successful. Beaucoup d'entre nous veulent réussir. We want to change something around our neighborhood. Beaucoup d'entre nous veulent changer les choses dans notre voisinage. We want to change Belgium and Europe. On veut changer l'Europe et la Belgique. And we think that smart methods will change the continent. Et on pense que des méthodes intelligentes vont changer ce continent. It will not work by methods. Ça ne va pas fonctionner comme ça. It will work by spirit-filled men and women of God. Ça va fonctionner avec des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. If you want to become a nation changer, si tu veux devenir un changeur, une nation, a nation shaker, celui qui secoue les nations, a generation changer, celui qui change la génération, you must be connected to the right source. Tu dois être connecté à la bonne source. Amen. Amen. If you are taking notes, si vous prenez des notes, there will be 3 points. Il y aura 3 points. So for Bible school. C'est un peu comme l'école biblique. 3 points. Il y aura 3 points. Number one. 1. Be connected to the right source. Soyez connecté à la bonne source. Number 2. 2. Do the words of the ministry. Faites les œuvres du ministère. And number 3. Et numéro 3. Pay attention to your character. Faites attention à votre caractère. Amen. Amen. Those 3 things. Ces 3 choses. Will lead you to success. Vont vous amener au succès. Number 1. 1. If you
chose. You must be connected to the right source. Vous devez être connecté à la bonne source. Hallelujah. Hallelujah. I believe in education. Je crois à la formation. I spent many years studying the Bible. J'ai passé beaucoup d'années à étudier la Bible. I have earned my degrees. J'ai eu mes diplômes. I studied theology. J'ai étudié la théologie. But I have learned something. Mais j'ai appris quelque chose. The highest degree is not theology. Le plus grand diplôme n'est pas la théologie. The highest degree is neology. Le plus grand diplôme, c'est la genouologie. Amen. Amen. When you knee on your knees. Lorsque vous êtes sur vos genoux. And when you allow the Holy Spirit to fill you. Et quand vous permettez au Saint-Esprit de vous remplir. He will give you supernatural wisdom. Il va vous donner une sagesse supernaturelle. Supernatural grace. Il va vous donner une grâce supernaturelle. Alléluia. As Jesus grew up in the small village of Nazareth. Alors que Jésus grandissait dans le petit village de Nazareth. In the eyes of the people, he was a nobody. Aux yeux des gens, c'était rien. Just the anointing. Juste l'onction. Just the power of the Holy Spirit. Juste la puissance du Saint-Esprit. And people were flocking to him. Et tous les gens ont été attirés vers lui. Hallelujah. Hallelujah. You can change Liège. Vous pouvez changer Liège. You can change Belgium. Vous pouvez changer la Belgique. If the power of God is upon your life. Si la puissance de Dieu est sur vous. You must be connected to the right source. Vous devez être connecté à la bonne source. Amen. Amen. Some of you. Certains d'entre vous. You know what I'm talking about. Vous savez de quoi je parle. When I speak about juju. Lorsque je parle de juju ou marabout. De marabout. There are some pastors. Il y a des pasteurs. Who use juju power. Qui utilisent la puissance de juju. There are pastors. Il y a des pasteurs. Who draw their powers from marabout. Qui prennent leur puissance chez les marabouts. That's an unclean source. Et ça, c'est une source qui n'est pas that's propre. Witchcraft. Ça, c'est la sorcellerie. Is there witchcraft in church? Yes, there is. Est-ce qu'il y a la sorcellerie dans l'église? Oui, il y en a. And destroys churches. Et ça détruit les églises. Now, if you are possessed by a demon of witchcraft today, alors si aujourd'hui vous êtes possédé par un démon de sorcellerie, God will set you free. Dieu va vous libérer. You will not accomplish what you've come here for to accomplish. Vous n'allez pas accomplir ici ce pourquoi vous êtes venu. You either repent or leave now. Soit vous vous repentez ou vous sortez it's maintenant. It's going to be hard for you. Parce que ça va être dur pour vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You must be connected to the right source. Vous devez être connecté à la bonne source. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. The Spirit of God. L'Esprit de Dieu. The Spirit of Jesus. L'Esprit de Jésus. The pure Spirit. L'Esprit qui est pur. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. La Bible dit. In Acts 10:38. Acte 10, verset 38. How God anointed Jesus of Nazareth. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. And how he went around doing good. Et comment il allait de lieu en lieu faisant le bien. And Jesus used this anointing and power to do good. Jésus a utilisé cette onction et cette puissance pour faire du bien. Hallelujah. Hallelujah. Some of you have the wrong perspective of yourselves. Certains d'entre vous ont une image mauvaise de vous-même. Like, oh, I'm just an African. I'm living here in Belgium. Vous vous dites, oh, je suis juste un Africain qui vit ici en Belgique. I just go to a small church somewhere. Je vais juste dans une petite église quelque part. Wrong. C'est faux. You are full of glory. Vous êtes rempli de gloire. You are an ambassador of Christ. Vous êtes l'ambassadeur de Christ. You are blessed and highly favored. Et vous avez la faveur du ciel. You have the anointing. Vous avez l'onction. You can speak with the city. Vous pouvez parler à la ville. You can visit the mayor of the city. Vous pouvez même visiter le bourgmestre de la ville. Power. Vous avez la puissance. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Be connected to the right source. Soyez connectés à la bonne source. The works. Les œuvres du ministère. Hallelujah. What do you do when you are filled with the Spirit? Que faites-vous lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit? Hallelujah. Now, there are many things you can do. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. I want to read some for you from Luke chapter 4, 18 and 19. Je voudrais lire pour vous à partir de Luke 4, verset 18. So Jesus, as he was in the power of the Holy Spirit, alors que Jésus était rempli du Saint-Esprit, he went to Nazareth. Il est allé à Nazareth. And he started reading scripture in the synagogue. Et il a commencé à lire l'écriture dans la synagogue. And they gave him the scroll to read. Scroll. Et donc il a ouvert le rouleau. And Jesus found the right place right away. Et directement
Jésus a trouvé le bon endroit. It was no coincidence. Il n'y avait pas de coïncidence. In those days, there had no chapters and no pages. À ce moment-là, il n'y avait pas de chapitre dans la Bible, dans la Torah. They had no stops and full stops. Il n'y avait pas de point virgule. They didn't write the vocals. Il n'y avait pas les voyelles. It was just an accumulation of letters, letter after letter after letter. C'était juste une accumulation de lettres, lettre après lettre après lettre. Just open the scroll. Il ouvre le rouleau. Bam. Bam. He found the scripture. Et il trouve l'écriture. To me, it shows Jesus knew scripture. Et donc ça montre que Jésus connaissait les écritures. He was well versed in the Bible. Il connaissait bien les versets de la Bible. He didn't have to wait and look. No, where's the scripture? Il ne devait pas commencer à chercher où est l'écriture. He read it over and over and over again. Il avait lu et lu et relu encore. And then he quotes from Isaiah 61. Et alors il cita Esaïe 61. And he says in Luke 4, 18. Et il est dit en Luc 4, 18. Quoting Isaiah. Ce qui est écrit en Esaïe. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Because he has anointed me. Parce qu'il m'a oint. To experience all the goosebumps. Pour expérimenter toute la chair de poule. Thank you. Merci. To preach good news to the poor. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. He has sent to proclaim freedom to the prisoners. Il m'a envoyé annoncer la liberté aux prisonniers. And to darken of sight for the blind. Et le recouvrement de la vue pour les aveugles. To release the oppressed. Pour relâcher ceux qui sont opprimés. Proclaim the year of the Lord's favor. Et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ came to preach bad news. Jésus-Christ est venu pour annoncer des mauvaises nouvelles. Oh, hallelujah. Okay, hallelujah. Okay. He came to preach good news. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So what is good news for the poor person? Alors, c'est quoi une bonne nouvelle pour un pauvre? God's word is nice. If you are poor. Mais si vous êtes pauvre. If you are poor. Si vous êtes mal. You are hungry. Vous avez faim. Pardon? Yes, we are riches. Food. Yes. Just wait a minute. Attendez. What was the main message of Jesus? Quel était le message principal de Jésus? What was the good news of Jesus? Quelle était la bonne nouvelle de Jésus? You tell me. Dites-moi. Amen. That's the one. Thank you, man. Hallelujah. His main message was the kingdom of God. Le message principal de Jésus était le royaume de Dieu. Not even the church of God. Pas l'église de Dieu. Which is a part of the kingdom of God. Qui fait partie du royaume de Dieu. He preached the kingdom of God. Il prêchait le royaume de Dieu. An international kingdom. Un royaume international. An eternal kingdom. Un royaume éternel. If you still believe, si vous croyez encore, that Jesus died on the cross, que Jésus-Christ est mort sur cette croix, for a group of happy clappers, pour juste un groupe de ceux qui aiment frapper dans leurs mains, who come on Sunday and sing some nice songs, qui viennent le dimanche et qui chantent des belles chansons, think again. Repensez encore, réfléchissez à nouveau. He came and he died to start the kingdom. Il est venu. Et il est mort pour commencer un royaume. Alléluia. A kingdom means territory. Un kingdom, un royaume signifie a kingdom means military. Un royaume signifie la puissance militaire. His name is Jehovah Tsebaoth. Son nom c'est Jehovah Tsebaoth. The Lord of hosts. L'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. A kingdom means provision. Le royaume veut dire qu'il y a la provision. Not a poor. Ce n'est pas un pauvre. C'est pas le Dieu pauvre. Amen. El Shaddai. El Shaddai. The God was more than enough. Le Dieu qui est plus qu'assez. Alléluia. Alléluia. Amen. So Jesus preached the kingdom. Jésus prêcha le royaume. Amen. Listen, wherever the kingdom principles are applied. Partout où les royaumes, les principes du royaume sont appliqués, that is where the kingdom of God is. C'est là qu'il y a le royaume de Dieu. If your family lives according to kingdom principles, that's the kingdom of God. Si votre famille vit selon les principes du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. If your business is run according to kingdom principles, that's the kingdom of God. Si vos affaires sont dirigées selon les principes de Dieu, c'est le royaume de Dieu.
Hallelujah. Hallelujah. Let's go back to church now. Church is a very important institution in the kingdom. L'église est une institution capitale très importante dans le royaume. The word ecclesia in the Greek. Le mot ecclesia en grec. Is not a churchy, a spiritual word. C'est pas vraiment un mot d'église, un mot spirituel. Now, if you notice, Jesus was oftentimes using political words. Vous pouvez remarquer que Jésus utilisait souvent des mots politiques. The vocabulary of Jesus was not a churchy vocabulary. Le vocabulaire de Jésus n'était pas un vocabulaire d'église. And when he was looking for a word for church, et lorsqu'il cherchait un mot pour l'église, he called the church ecclesia. Et qu'est-ce que veut dire ecclesia? Assemblée. Yeah, assemblée. It's okay. Yes. It's okay. It means the called out ones. Ça veut dire ceux qui sont appelés hors de. Hallelujah. But they've been called out for a purpose. Ils ont été appelés en dehors de pour un but. Hallelujah. They have been called out to rule. Ils ont été appelés en dehors de pour régner. Wait a minute. Attendez un instant. The church is meant to be ruling. L'église doit régner. Yes. Oui. And it's not even using a churchy term, it's using a political term. Et ce n'est même pas un terme d'église, c'est un terme politique. Hallelujah. He said, I am calling you out. Il dit, je vous appelle en dehors de. To rule. Afin de régner. A very different picture of church. Et ça, c'est une image très différente de l'église. Hallelujah. 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 I feel this morning the city council of Liège. Dieu vous appelle aujourd'hui à vous aller vers le gouvernement de Liège. You have power to decree. Vous avez la puissance pour faire des décrets. You have power to bind and to loose. Vous avez la puissance pour lier et pour délier. Some of you are very surprised. Certains d'entre vous ont été surpris. You didn't know how much power there was inside of you. Vous savez pas combien vous avez de puissance en vous. And that's the problem here in Europe. Et c'est ça le problème ici en Europe. The church has been cornered. Has been cornered to the corner. L'église a été mise dans un coin. And you have very low self-esteem. Oh, we are just Christians. Et vous vous estimez d'une manière très basse. Vous vous dites, on est juste des chrétiens. Oh, we are just an African church in Liège. Oh, on est juste une église africaine à Liège. That's a devilish thought. Ça, c'est une pensée démoniaque. You are the kingdom of God. Vous êtes le royaume de Dieu. You are the city council of Liège. Vous êtes le gouvernement de Liège. That is God's perspective. Ça, c'est la perspective de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Start acting up to it. Commencez à agir à ce niveau-là. Start behaving the way you really are. Commencez à vous comporter de la manière dont vous êtes réellement. Amen. To hell with your low self-esteem. Afin de terminer cette estimation basse que vous avez de vous-même. False humility. La fausse humilité. Is stopping the kingdom of God from expanding. C'est stopper la propagation du royaume de Dieu. Know who you are in Christ. Sachez que vous êtes en Christ. One day I was traveling with my train. Un jour, je voyageais en train. And the train, I couldn't make my connection. Et j'arrivais pas à me connecter, à faire la connexion. So I went to ask some questions at the counter. Alors j'ai été demander quelques questions. And this guy just treated me like a piece of dirt. Et ce monsieur m'a vraiment traité comme un moins que rien. Very nasty, very ugly. Il était vraiment méchant. I just paused for a moment. Alors j'ai attendu un moment. And I told him. Et je lui ai dit, listen, écoutez, you don't know whom you're talking to. Vous ne savez pas à qui vous parlez. He apologized. Il s'est excusé. He became very nice. Il est devenu très gentil. At times you have to make use of your kingdom rights. Il y a des moments où vous devez utiliser vos droits. I don't know about you. I'm an ambassador. Je ne sais pas à votre sujet, mais moi, je suis un ambassadeur. Amen. Oh, that's spiritual. No, not spiritual. I am an ambassador. Oh, il faut que ça spirituel. Non, je suis un ambassadeur. Alléluia. Alléluia. I have ambassador rights. J'ai les droits des ambassadeurs. And I represent not Germany, I represent the kingdom of God. Et je ne représente pas l'Allemagne, je représente le royaume. Alléluia. Alléluia. I want you to rise up in your spirit. J'aimerais que vous puissiez vous élever dans votre esprit. The Islamic spirit is so aggressive. L'esprit de l'islam est très agressif.
rise. Vous maintenant de vous lever. You are connected to the Holy Spirit. Vous êtes connecté au Saint-Esprit. You have power. Vous avez la puissance. Rise. Levez-vous. Become the mayor of Lille. Devenez le bourgmestre de Lille. Amen. Amen. Become the next prime minister. Devenez le prochain premier ministre. Oh, pastor, this is impossible. Oh, pastor, c'est impossible. It's not. Ce n'est pas. If you have a Belgian passport, go for it. Si vous avez le passeport belge, vous pouvez y arriver. Amen. 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 I want the church to rise. Je voudrais que l'église se lève. I want the church to have the best buildings in town. Je voudrais que l'église ait les meilleurs bâtiments de la ville. I want the church to be in a position. Je voudrais que l'église soit dans une position to bless the city. Yes. De pouvoir bénir la ville. Amen. Amen. Hallelujah. Now, if you read again Luke chapter 4, 18 and 19, si vous lisez encore Luc 4, 18 et 19, you will find that the work of Jesus, vous allez voir que les œuvres de Jésus, it consisted of speaking, consistait à parler, proclamer. Read. Yeah, yes, read. Lisez. This is not for you. C'est pas dans l'annoncer la bonne nouvelle. Et Caruso. Which means to proclaim. Qui veut dire proclamer. Alléluia. So all Jesus did. Donc ce que Jésus a fait. Was go and proclaim. C'était qu'il allait proclamer. Was go and announce. Il allait annoncer. If you know who you are in Christ. Si vous savez qui vous êtes en Christ. You can just speak. Vous pouvez juste parler. And things will happen. Et les choses vont se produire. Amen. Amen. Alléluia. When the ambassador speaks, things happen. Quand l'ambassadeur parle, des choses se produisent. Amen. If you speak, things start to move. Quand vous parlez, les choses vont commencer à bouger. Now I want you to understand what proclamation means. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce que signifie la proclamation. Listen. Écoutez. Why did Jesus tell us to go and proclaim the good news? Pourquoi Jésus nous a dit d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle? Hallelujah. Listen. Écoutez. Listen. Écoutez. Let me have your attention. Are you here? Est-ce que vous pouvez être attentif? Okay, listen. In those days, they had no fax machines, no computers, à ces no telephones. Dans ces jours-là, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone. No Twitter, no Facebook. Il n'y avait pas Twitter ni Facebook. Okay. So when a new law was passed in Rome, Et donc quand il y avait une nouvelle loi à Rome, then they had to send out people. Ils devaient renvoyer des gens on horseback, qui étaient sur des chevaux ou qui devaient courir. And these people go to the marketplaces, et ces gens allaient sur les places du marché and they would shout. Et ils criaient. They were called heroes. Et on appelait ça des héros. And then they would say, et ils disaient, God says Caesar. Voici ce que dit César. And they would read the new law. Et ils lisaient la nouvelle loi. Are you listening? Est-ce que vous êtes avec moi? Okay, listen. Écoutez. The interesting thing is, la chose intéressante, c'est when they finished reading that law, lorsqu'ils terminaient de lire cette loi, it was now in place. La loi prenait place. Hallelujah. They didn't just use empty words, their words had authority. Ils n'utilisaient pas juste des mots vides, leurs mots avaient une autorité. Their words were backed up by Rome. Et donc, leurs mots étaient... Rome, en fait, confirmait leurs paroles. Hallelujah! And that's why Christ says, you go and preach the gospel. Et c'est pourquoi Christ a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. You proclaim the gospel. Vous proclamez the la bonne nouvelle. The Bible does not call us to dialogue with religions. No dialogue. Dieu ne nous a pas appelés à dialoguer avec les religions. It says, go and announce. Il a dit, allez et annoncez. Go and proclaim. Allez et proclamez. And as you do so, et alors que vous faites ça, whatever you proclaim will come to effect. Ce que vous allez proclamer va prendre effet. Wow! Church, you are powerful. L'église, vous êtes puissant. Amen. I said, church, you are powerful. L'église, vous êtes puissant. Amen. What you speak matters. Ce que vous dites importe. You can bind and loose. Vous pouvez lier et délier. You have divine authority. Vous avez l'autorité divine. Amen. Amen. So when God sees your church,
Alors quand Dieu voit votre église, he sees as a legal body of Liège. Il vous voit comme le corps légal de Liège. And God pays attention to what you speak in this place. Et Dieu fait attention à ce que vous dites dans cet endroit. Alléluia. You can decree, you can bind the rules. Vous pouvez faire des décrets, vous pouvez lier et délier. Amen. So we are called to proclaim good news. Et donc nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. That is why when you say, be healed in Jesus' name. C'est pourquoi lorsque vous dites, sois guéri au nom de Jésus. That person will be healed in Jesus' name. La personne va être guérie au nom de Jésus. Amen. It is by words. C'est par la parole. Everything in the kingdom of God goes by words. Tout dans le royaume de Dieu est fait par la parole. God created the world by His word. Dieu a créé le monde par sa parole. As you speak the word of God over your city, something will change. Et lorsque vous allez parler, proclamer la parole de Dieu sur votre ville, quelque chose va changer. Amen. And that is why Christ called us. Et c'est pourquoi Christ nous a dit, go and announce everywhere. Allez annoncer partout le monde. The kingdom of God is here. Le royaume de Dieu est là, il est proche. You can be healed. Vous pouvez être guéri. Your sins can be forgiven. Vos péchés peuvent être pardonnés. God can prosper you. Vous pouvez prospérer. God can bless you. Dieu peut vous bénir. God can use you. Dieu peut vous utiliser. Announce this good news. Annoncez cette bonne nouvelle. As you announce it, et alors que vous annoncez cela, it happens. Elle se produit. Alléluia. Alléluia. So next time you are facing a problem. Alors la prochaine fois que vous êtes face à un problème. Don't repeat to God what kind of problems you have. Ne commencez pas à répéter à Dieu le style de problème que vous avez. Use your legal authority. Commencez à utiliser l'autorité légale que vous avez. Holy Spirit. Soyez connecté au Saint-Esprit. Speak to that problem. Parlez à votre problème. Speak to that sickness. Parlez à cette maladie. Speak to that demon. Parlez. And he must bow before Jesus. Hallelujah. Amen. It is not just the pastor. C'est pas juste le pasteur. Not just the evangelist and prophet. Les évangélistes, les apôtres, les enseignants. Everybody in the body of Christ. Tout le monde dans le corps de Christ. You have power. Vous avez la puissance. To speak. De parler. Hallelujah. It took me many years to realize this. Ça m'a pris beaucoup d'années de réaliser ça. For years I was just praying and praying. Parce que je priais pendant des années. I was asking God for things He had already given to me long time ago. Je demandais à Dieu des choses qu'il m'avait déjà donné depuis longtemps. Until I realized. Jusqu'à ce que je réalise. I don't have to ask God for things I already have. Je ne dois pas demander à Dieu des choses que j'ai déjà. Now I use my prayer time to fellowship with God. Maintenant, j'utilise mon temps de prière pour être en communion avec Dieu. And whatever I need, et tout ce dont j'ai besoin, command, je colle le commande. Et ça arrive. Alléluia. You have legal power to command. Vous avez une puissance légale pour commander, pour ordonner. Alléluia. It's your words. Ce sont vos paroles. Speak over your family. Parlez sur vos familles. Speak over the edge. Proclamez sur les. Speak over your church. Parlez sur votre église. Speak over your friends. Proclamez sur vos amis. Speak. Parlez. It will happen. Et ça arrivera. Now the last point. Et maintenant le dernier point. I will talk about character. Je vais parler du caractère. We have all these many ministries. De nos jours, il y a beaucoup de ministères. Many Christian businesses even. Il y a beaucoup même d'affaires de chrétiens. Who are gifted. Qui sont talentueux. Amen. People who are gifted. Les gens sont talentueux. But they lack character. They lack character. Mais il leur manque un caractère. The gift will catapult you. Le gift va vous, le don va vous catapulter. And you become known very quickly. Et vous allez être connu très rapidement. The gift will give you fame. Le don va vous donner la célébrité. But if you have no character, mais si vous n'avez pas un caractère, you will come down very quickly. Tu vas vite retomber. Amen. Amen. You need character. Vous avez besoin d'un caractère. You need character. Vous avez besoin d'un caractère. I have seen many, very many young people, young men. J'ai vu beaucoup de jeunes hommes. A strong, wonderful gift of God upon their life. Qui étaient forts et qui avaient vraiment un don de Dieu sur leur vie. But no character. Mais il n'y avait pas de caractère. And some of them are not even in the faith today. Et aujourd'hui, il y en a même certains qui ne sont plus dans la foi. People God desired to use mightily. Les gens que Dieu veut utiliser avec puissance. But they had no character. Mais ils n'ont pas de caractère. Your purity. Votre pureté. Your holiness. Votre sainteté. Is more important than your gift. C'est plus important que votre don. Your character. Votre caractère. Is more important than your power. Est plus important que votre puissance. Amen. Amen.
Hallelujah. At times God allows you to go through the desert. Il y a des moments où Dieu nous permet de passer par le désert. Just to shape your character. Juste pour tailler notre caractère. Hallelujah. Amen. It took 40 years to shape Moses. Ça a pris 40 ans pour former Moïse. He was the son of a Pharaoh now. C'était le fils de Pharaon. He was very highly educated. Il a eu une formation très élevée. I mean, but this guy has a strong character. Mais c'était un homme avec un caractère fort. And he killed an Egyptian. Et il a tué un Égyptien. And God said, "You are not ready." Et Dieu lui a dit, tu n'es pas prêt. And God allowed him to stay for 40 years in the desert. Et Dieu a permis qu'il passe 40 années dans le désert. Every day hearing the sheep. Toujours il entendait les brebis. Every day in the heat. Tout le jour dans la chaleur. Every day the same mountain, the same sheep. Toujours les mêmes montagnes. God was shaping his character. Dieu était en train de former son caractère. It took God 40 years to shape Moses. Ça a pris 40 ans pour former Moïse. I bet if he had learned this lesson sooner, God would have stopped sooner. Je sais qu'on va devoir arrêter. Je sais pas s'il avait appris la leçon rapidement. Don't wait for 40 years. N'attendez pas 40 ans. Humble yourself. Humiliez-vous. Under the mighty hand of God. Sous la puissante main de Dieu. And he will lift you up in due time. Et il vous élèvera au temps convenable. Amen. 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 Ouvrez vos Bibles encore en Luc 4. Verse 18 and 19. Versets 18 et 19. And leave your bookmark there and go to Isaiah 61. Et laissez un marque-page là et puis allez à Ésaïe 61. We're going to compare now. On va comparer maintenant. Year of Jubilee, you will be shouting now. Si vous connaissez quelque chose au sujet de l'année du jubilé, vous devez crier maintenant. Every 50 years, chaque 50 ans, there was a year of Jubilee. Il y avait l'année du jubilé. Hallelujah. Every debt was cancelled. Of Jubilee. L'année du jubilé, toutes les dettes étaient annulées. Hallelujah. Amen. Listen. Écoutez. For example. Par exemple. You have made some major mistakes in your business. Vous avez fait de grosses erreurs dans vos affaires. And now you're in debt. Et maintenant vous êtes endetté. And there's no way to pay it off. Et il n'y a pas moyen de tout payer. So you go and hire yourself out to work for somebody. Et donc vous commencez à aller travailler pour quelqu'un. But you can never pay off that bill, never. Mais vous ne pourrez jamais payer cette facture. You keep working and working. Vous continuez à travailler et à travailler. But you know the day of Jubilee is coming. Mais vous savez que l'année de jubilé. You know God did some special provision. Vous savez que Dieu a fait une provision particulière. That you will not suffer forever under this debt. Que vous n'allez pas toujours souffrir sous cette dette. And you're waiting for year 50. Et donc vous attendez l'année 50. Oh, you know the sound of the shofar. Oh, vous connaissez le son du shofar. Very unique sound. Et vous avez besoin du son. A special sound. Un son particulier. To announce the year of Jubilee. Pour annoncer l'année du jubilé. Every slave in Israel was waiting for the sound. Et tous les esclaves en Israël attendaient ce son. Just imagine. Imaginez. You're working on the field. Vous marchez et vous travaillez dans le champ. You are sweating more than I. Et vous transpirez plus que moi. And you are sore, you are so tired. Et vous êtes vraiment fatigué, vous travaillez. You know the year of Jubilee is coming. Et vous savez que l'année du jubilé arrive. Work. Mais vous devez travailler. Vous avez des dettes dans vos vies. And all of a sudden you sound the shofar. Et puis à un moment vous entendez le son du shofar qui annonce l'année du jubilé. Announcing the cancellation of all debts. Qui annonce que toutes dettes sont annulées. Not only were the debts canceled. Pas juste les dettes annulées. But you would get back the family property. Mais vous allez avoir même la propriété de la famille. On va vous la rendre. When you hear the sound of the shofar. Et quand vous entendez le son du shofar. You know what you do? Vous savez ce qu'il faut faire? You drop the tools. Vous laissez tomber les instruments. Vous dites même pas au revoir. Just walk away. Vous marchez, vous quittez. You're free. Vous êtes libre. Hallelujah. Those people living there. Et vous dites aux gens qui vivent this là. Is my home. C'est ma maison. This is my life. C'est ma vie. This is the day of Jubilee. C'est le jour du jubilé. I want my property back. Je reprends ma propriété. And all of a sudden, et soudainement, you are debt free. Vous êtes libre de vous. All of a sudden, et soudainement, you are prospering again. Vous prospérez. Why? Pourquoi? Because of the year of Jubilee. À cause de l'année du jubilé. And Jesus said. Et Jésus dit. I have come to announce the year of Jubilee. Je suis venu annoncer l'année. Hallelujah. I'm announcing the freedom of death. Je suis venu vous annoncer que vous êtes libre de vos dettes. I'm announcing the forgiveness of sins. Je vous annonce
I announce the kingdom of grace. Je vous annonce le royaume de grâce. And he says, you must speak for me, everybody. Et il a dit tout le monde, vous devez parler. Go and tell people. Allez, dites aux gens. Jesus paid for your sins. Jésus a payé pour vos péchés. You can receive back the inheritance. Vous pouvez recevoir votre héritage. You can have back eternal life. Vous pouvez retrouver la vie éternelle. The year of jubilee has started. L'année du jubilé a commencé. Today is the day of grace. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. The year of jubilee. Aujourd'hui, c'est une année de jubilé. Whenever you minister. À chaque fois que vous exercez le ministère. Whenever you're running your business. À chaque fois que vous faites vos affaires. Whatever you're doing with your life. Peu importe tout ce que vous faites dans vos vies. Move the spirit of grace and love and forgiveness. Agissez dans l'esprit de grâce, d'amour. Et de pardon. That's the character of Jesus. Ça, c'est le caractère de Jésus. That's the character of the kingdom of God. Ça, c'est le caractère du royaume. Hallelujah. Hallelujah. Today I believe. Aujourd'hui, je crois. God will reconnect you to the right source. Dieu va vous reconnecter à la bonne source. God will empower you. Dieu va vous donner sa puissance. And you will start shaking Liège. Et vous allez commencer à faire trembler Liège. And next time I come back. Et la fois prochaine, lorsque je viendrai. You have two services. Vous aurez deux cultes le and you'll be using the whole space. Et vous allez utiliser tout l'endroit là-bas. Amen. Because you went out. Parce que vous êtes allé dehors. Because you realized who you are in Christ. Parce que vous avez réalisé qui vous êtes. Because you started speaking. Parce que vous avez commencé à parler. Because you announced the year of jubilee to parce que vous avez annoncé l'année du jubilé aux gens. Amen. Amen. Close your eyes right now. Fermez vos yeux maintenant même. People of power and authority. Des gens d'honneur, de puissance et d'autorité. Precious people. Des gens précieux. Thank you, Holy Spirit, for each and everyone. Merci, Saint-Esprit, pour chacun d'entre eux. Thank you for working in their lives. Merci parce que tu travailles dans leur vie. Father, I pray right now. Seigneur, je prie maintenant. Show them who they really are in Christ Jesus. Montre-leur qu'ils sont vraiment en Christ Jésus. Let them have a revelation of the power you have given to them. Qu'ils puissent avoir la révélation de la puissance que tu leur donnes. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Every eye closed. Tous les yeux sont fermés. Every eye closed. Tous les yeux sont fermés. Sin is separating you from your life. Le péché vous sépare from real life. De la vraie vie. From life and authority. De la vie dans l'autorité. From a life of power. D'une vie de puissance. From a life in the spirit. D'une vie dans l'esprit. Sin separates you. Le péché vous sépare. Today God will forgive you. Aujourd'hui Dieu va vous pardonner. He has come to announce the year of jubilee. Il est venu annoncer l'année du jubilé. The year of forgiveness. L'année du pardon. The year of new beginnings. L'année du nouveau commencement. This Sunday is the Sunday of new beginnings. Ce dimanche est le dimanche d'un nouveau commencement. This day is the day of grace. Ce jour est un jour de grâce. He will forgive your sins. Il va pardonner vos péchés. No matter what happened in your past. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. God still wants to use you. Dieu veut encore vous utiliser. He will forgive you. Il va vous pardonner. And empower you. Et il va vous donner ça. Never ever received Christ into your life. Peut-être vous n'avez jamais reçu Christ dans vos vies. You can also pray with us. Vous pouvez aussi prier avec nous. God forgive your sin. Dieu pardonnera vos péchés. And he'll position you. Et il va vous mettre dans une position, position, of authority. Une position d'autorité. If you want to pray with me, si vous voulez prier avec moi, if you need forgiveness of sin, si vous avez besoin de pardon de péché, raise your hand wherever you are. Levez vos mains là où vous êtes. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. 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 God bless you on this side. Keep your hands up. Gardez vos mains levées. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Let's pray together, church. Help us. On va prier ensemble que l'Église puisse nous aider aussi. Say, Father. Dis, Père. I come to you. Je viens à toi. I need forgiveness. J'ai besoin du pardon. Jesus, forgive my sins. Jésus, pardonne mes péchés. Wash me with your precious blood. Lave-moi par ton sang précieux. Jesus, I believe you paid the price for my sins. Jésus, je crois que tu as payé le prix de mes péchés. You died on my behalf. Tu es mort à ma place. And I receive that sacrifice. Et je reçois ce sacrifice. I turn away from sin. Je me détourne du péché. And I will
follow you for the rest of my life. Et je te suivrai pour le reste de ma vie. I invite you to become the Lord over every area of my life. Je t'invite à être le Seigneur de toutes choses dans ma vie. Thank you for grace. Merci pour la grâce. Thank you for forgiveness. Merci pour le pardon. I receive it now. Je le reçois maintenant. And therefore I am. Et à cause de cela, je suis the righteousness of God. La justice de Dieu. My sins are forgiven. Mes péchés sont pardonnés. I have eternal life. J'ai la vie éternelle. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Amen. 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 Let's put our feet right now. Everybody, feet. Si tout le monde peut se lever, s'il vous plaît. If you've just prayed this prayer, your sins are forgiven. Si vous avez prié cette prière, would like to reconnect that source today. Combien d'entre vous veulent être reconnectés à la source aujourd'hui? The source of the Holy Spirit. La source du Saint-Esprit. Hallelujah. Maybe you need to be refilled today. Peut-être vous avez besoin d'être rempli à nouveau. You want the fresh anointing. Vous voulez une onction fraîche. God is ready to give you. Dieu est prêt à vous donner. He gives the Spirit without measure. Il donne son esprit sans mesure. The measure depends on you. La mesure dépend de vous. Venez, venez, c'est maintenant. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Keep coming, keep coming. Continuez à venir, venez, venez. God will connect you to the right source. Dieu va vous connecter à la bonne. Il y a une autre onction pour vous. There is more power for you. Il y a plus de puissance pour vous. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. There is more to come. Il y a plus à venir. If you are thirsty, if you are hungry for more, make your way to the front. Come. Si vous avez faim et soif de plus, avancez-vous devant. Venez. We're going to worship God for a moment. Et vous commencez à adorer Dieu pendant un moment. And as we worship Him. Et alors qu'on va commencer à l'adorer. Open your heart to receive. Ouvrez vos cœurs pour recevoir. He will touch you. Il va vous toucher. He will fill you. Il va vous remplir. He will empower you. Il va vous donner la puissance. I want you to open your mouth and start worshiping him. Je voudrais que vous commenciez à ouvrir vos bouches et que vous commenciez à adorer Jésus. Ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches et parlez-lui. Adorez-le. Adorez-le. You can still come. Vous pouvez encore venir. You are invited. Vous êtes invité. If you want the refreshment, si vous voulez un rafraîchissement du Saint-Esprit, c'est le moment de vous avancer. Adorez-le. 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 Ouvrez vos bouches. Viens sur moi. Cette onction. Viens sur moi. Adorez Dieu, adorez-le, que tout le monde l'adore. Ouvrez vos bouches pour l'adorer. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, adorez-le. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton amour, pour ton onction, pour ta présence. Merci parce que tu touches ton peuple. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour une onction fraîche. Église, adorez Dieu. Adorez Dieu. Adorez Dieu. Adorez-le. Adorez-le. Nous t'adorons.
t'adorons. Lion de Juda, nous t'adorons. Adorez-le. 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 Rempli de grâce. Rempli d'onction. Je t'adore. Mon sauveur. Mon Seigneur. Mon roi. Alpha et Omega des jours. Je t'adore. El Shaddai. Tu es plus qu'assez pour moi. Tu es Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. J'agenouille, je me mets à genoux devant toi pour t'adorer. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Adorez-le. Demandez-lui de vous remplir. Demandez-lui son action. Demandez-lui de casser tous les jours. Demandez-lui. Demandez-lui de vous toucher. Demandez-lui son action. Adorez-le. Oh, yeah.
Mais je prends de la vie la jolie volée. L'union de Jésus, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, adorez-le. S'il y a des douleurs dans les corps, si vous avez mal dans votre corps, Dieu va vous guérir maintenant même. Il est capable et il a la volonté. Ouvrez vos cœurs afin de recevoir. Mettez votre main droite là où vous avez une douleur. Le même Dieu qui a guéri hier peut guérir aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ouvrez vos cœurs pour recevoir. Je viens contre toute maladie qui est sous cette main droite. Maladie, je vous chasse. Come out in the name of Jesus. Sortez au nom de Jésus. Je viens contre tout mauvais esprit. Sortez au nom de Jésus. Spirit of cancer, esprit de cancer, dors. High blood pressure, out. Les problèmes de sang, dors. Hepatitis, out. L'hépatite, dors. Le sida tout genou doit fléchir. Toute maladie doit fléchir. And every demon must bow. Tout jeune, tout démon doit fléchir. And they must confess. Et ils doivent confesser. That Jesus Christ is Lord. Que Jésus Christ est Seigneur. Heavenly operations take place. Que les opérations divines sont en train de se faire. Que la guérison coule. Que la guérison coule. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Say it one more time. Dites-le encore une fois. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Say it one more time. Dites-le encore une fois. Je suis guéri par les meurtrissures de Christ. Amen. Amen. That pain is over. Cette douleur est partie. That sickness is over. Cette maladie est finie. You are healed by the stripes of Christ. Vous êtes guéri par les meurtrissures de Christ. Amen. Amen. Now switch off your faith. Alors maintenant, allumez votre foi. And now check your body. Et maintenant, vérifiez votre corps. Check if there's any change. Vérifiez s'il n'y a pas un changement. Check where the pain was. Là où il y avait la douleur. Do something you could not do before. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. And if you know you've been healed, et si vous savez que vous avez été guéri, raise your hand to the glory of God. Levez votre main à la gloire de Dieu, là où vous êtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, God bless you. God bless you. Père, je te remercie pour chaque guérison. Now, I'm expecting testimonies by tomorrow. Alors, je m'attends à des témoignages demain. If you know you have been healed,
Si vous savez que vous avez été guéri, speak to the pastor, parlez au pasteur. God glory. Alors maintenant, on va donner la gloire à Dieu. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? You're going to shout hallelujah. On va crier alléluia. How many times? Combien de fois? Seven times. That's Seven right. Fois. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Oh, if you're not ready, if you're sitting down, get up. Si vous êtes assis, levez-vous, s'il vous plaît. If your neighbor is sitting down, shake him very well. Et si votre voisin est assis, secouez-le un peu. See, wake up, you're missing the finish. Dites-lui, réveille-toi, tu manques la fin, tu rates la fin. Hallelujah. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Seven times. Sept fois. Alléluia. 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 Et nous sommes affectés ici sur la terre, alliés en Belgique, comme ambassadeurs de main nous vont donner. Bénissez-nous de ma voix, mais c'est notre désir, c'est que tous nos frères, comme les Macédoniens, qui se sont abandonnés, bénissez ton frère de maintien à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons. Tu es Dieu, il entre pour nous louer son Seigneur. Oui, nous t'acclamons. Tu es Dieu, il entre pour nous louer son Seigneur. Par toi, tu es louant. Tu es Dieu, il entre pour nous louer son Seigneur. Par toi, Jésus, nous t'acclamons. Tu es Dieu. Thank you.
Yahweh Sobakouya.